bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure avec Spider-Man 2, évidemment, épisode 11. Comme d'habitude, un j'aime et un commentaire, ça fait toujours plaisir. 4K 60 FPS, surtout qu'on est passé en Fidelity. Donc pour l'instant je ne vois pas de différence et ça a l'air de valoir le coup. Donc c'est parti, on se régale et on reprend le cours de notre histoire principale avec le Speed Demon. Let's go! Après toi. Un vrai gentleman. Tout va bien? J'ai carrément la trouille. Ça va aller. Ok, ma manette elle en pupe. Hein. Elle fait que toujours de vibrer depuis l'épisode d'avant. Carrie offre son lot à la vie toute seule, assise à côté de lui. Ok. Je veux dire, ce serait trop mignon pour une rencontre. On la prévient? De quoi? C'est quoi tous ces chuchotements là-haut? Je rappelle à MJ qu'il faut toujours garder les bras à l'intérieur du véhicule. Ah, au moment où je dis ça, je lève les bras. Ok, bon, je devrais pas avoir peur, les gars. En étant Spider-Man, on vit des sensations bien plus fortes. Allez, on lève les bras, MJ, vas-y, putain, c'est parti. Je déteste les attractions. En fait, je trouve pas ça ouf. C'est, voilà, c'est la sensation d'une attraction ne me fait rien à titre personnel. J'ai pas peur, hein, je l'ai fait, hein. Mais je suis en mode, ouais, c'est pas... je sais pas, ça me fait pas rêver. Ça me procure pas la sensation de plaisir et de vouloir le refaire. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment l'expliquer. J'espère que vous me comprenez. Peut-être que vous êtes nombreux d'ailleurs dans ce cas-là. Bon, j'ai quitté. On va pas faire 48 tours, les gars. Ça fait du bien. Oh, grand maître, qu'est-ce qu'on fait après? Dernière attraction de la soirée, le muscle. Eh ouais, mon gars. Je n'ai jamais fait sonner la cloche, mais jamais je n'ai renoncé à mon rêve. Il va devenir réalité. Ah, c'est celui où tu mets une patate dans le truc. Mais ça, c'est dangereux, hein, si tu sais pas la mettre ou autre. Combien de vidéos de gens se cassent la gueule? Eh oh, mais... Mais non, mais c'est Harry, putain. Je suis un baiser. J'allais dire, le mec, je vais à gauche, il va à gauche, je vais à droite, il va à droite. C'est infernal. Allez, on est parti. Vas-y, Harry. Tu peux le faire. Tu vas le faire. Parce que c'est notre... Oh, pardon, excusez-moi. Là, je m'emballe peut-être un petit peu trop. Muscle up. Muscle up. Muscle up. Muscle up. Muscle up. Muscle up. On dirait qu'ils disent muscle up. Ça va, ça va. On évitera d'interpréter, s'il vous plaît, mal le doublage en français. Sur la gauche. Excusez-moi. Il est loin, non, il est loin. Le spectaculaire est fermé. Oh non, c'est dommage tout ça. Excusez-moi, madame. Allez, on est parti. Poussez-vous. Oh, ils ont tous des pingouins, je suis jaloux, je le veux. Allez, c'est pas au pire. Ah non, c'est avec le marteau, c'est pas avec le poing. Très bien. Vite, vas-y. Ok. Baisser rapidement ou donner un coup de marteau. Ouais, c'est pas difficile ça. Joli. Vas-y doucement, hein. Ça fait pas mal. La seule chose qui va souffrir, c'est ton ego. Ça va les garçons, pas de chamaillerie. Désolé. Ah! C'était quoi ça? Alors! Ok. Est-ce que tu n'aurais pas le symbiote J'en ai en toi? Pas douté une seconde! Harry, c'était dingue. Ouais, mais. J'ai aucune idée de comment j'ai fait ça. Ok, ça vous dirait qu'on fasse un truc plus relax? On dirait qu'il y a moins de queue à la grande roue, ça vous dit?
Ok, allez go. Bizarre, bizarre, bizarre. Eh, hey, je vais vous laisser monter en amoureux. Moi, je vais essayer d'aller gagner une autre licorne. T'as l'air de bonne humeur. C'est marrant. Harry a eu une deuxième chance, mais c'est comme si j'y avais droit aussi. Vous allez être une équipe d'enfer. Le Bugle est sorti. Alors, Jonathan est en première page ? Oh, tu vas être rédac-chef ? Oh, j'aurais dû prendre du champagne ! Des chasseurs, des scorpions et des flammes, quel cirque. Jonah a choisi l'article. Oh, MJ, je... Il a déjà plus de 5000 vues. Oh, je dois changer mon style d'écriture. Gagner sa confiance, d'une façon ou d'une autre. Hé, hey, tu trouveras une solution. C'est ce que tu fais toujours. Puis, hey, si tu veux un coup de main de l'araignée sympa du quartier, tous les deux aussi, on est une équipe d'enfer. Même si je les appelle champagne. On se rattrapera. Par là. Écartez-vous. On est sur Tombstone. Tombstone. La bande de Kraven, hein? Ok! Vous en avez après quel super vilain cette fois? Mysterio? Tombstone? Eh! Yeah. Il va venir nous déranger! Eh, hey, quoi tu. Eh! Hey. Oh, waouh, waouh, waouh! Je suis pas une salope, ok? Eh bah, c'est réciproque! Casser les couilles! Une nuit tranquille, c'est tout ce que je voulais! Eh non! Ok, toi, tu commences à me casser les couilles! Et toi, tu commences. Oh, waouh, je viens de loin juste pour toi, hein! À me casser les couilles! Ça va là, hein? On est où? Oh, c'est bon! Oh là là. Ok. Tombstone peut se débrouiller seul. Allez, ça dégage. C'est du one shot ici, ça fait de la zikmu juste pour déconner. Ok. Et toi. Je peux pas les laisser s'en prendre à ah mais j'ai toujours mon petit. Dans le parc. Mon petit chapeau de pirate. Et Harry, réponds, réponds. Salut, c'est Harry. Laissez un message. MJ, Harry répond pas au téléphone. Je suis trop occupé avec les chasseurs. Mais je l'aperçois nulle part! Notre tour de grande roue est presque fini. Je vais aller voir s'il va bien. Surtout, prends pas de risque! Tu sais bien que je vais nulle part. Tu seras mon pote si carrière. C'est le nom que tu donnes à ton sable. Okay. Et travaille encore dessus. Je te fais signe. Aïe! C'est bon? Plus de peur que de mal. Oh, le spot! Allez, ça dégage. Je vais être coincé encore. Bien longtemps. Ok. Et toi. Hop. Cuté, et c'est terminé. Wesh, comment ils manipulent ça, frère? Ils sont si vifs. C'est là-bas que Tombstone travaillait. Il est fort, ses types le sont aussi. Chasseur, rendez-vous au premier virage. Et ça dégage. Je savais qu'il serait vers le ciel. Spider-Man ou Tombstone? C'est un jour de chance. On a les deux. Je peux l'avoir. Ok, ça c'est bon. Putain, ça c'est beau aussi. Allez, ça c'est beau aussi.
Voilà, il y avait personne, mais ça c'est que pour le spectacle. Mais j'ai vu Mysterio. Il vient de Kraven, mais c'est pas là pour lui. Alors c'est Tombstone qu'ils veulent. Merci les pour l'info. Et prends le carton dans ta gueule. Je continue de chercher Harry. Ok. Quoi, viens par ici. Oh, waouh. Spider-Man. Ok, et il casse les couilles, hein. Ça c'est pas... ça c'est chiant, ça. Ça c'est chiant, les clébards. Parce que ça peut t'empêcher. Voilà, c'est exactement comme ce que c'est en train de faire. Ok. Et toi. Allez, dégage. Le Klebs, c'est mort. Ok. Et toi, putain, ils sont costauds, hein. On peut remettre ça plus tard. C'est vraiment pas le bon moment là. Araignée à terre. Capturez Tombstone. Ça rigole pas, c'est clair. Débarrassez-vous d'un. Yeah. Oh là, ça va être chaud. Allez, ça, c'est cuit. Là, je vais avoir besoin de concentration. Comme vous pouvez le voir, ils sont des millions. T'as pas le choix. Toi. Hop. Hop, toi. Tu prends aussi. Oh. C'est bon, on a eu chaud. Ah. On a eu chaud. On a eu chaud. Je m'occupe de Tombstone. Toi, occupe-toi de te dégager de ce filet. Dur. Un jour. Oh non, je voulais le mec le plus balèze. Mais le chef de ces types peut faire mort. C'est un chasseur et il prend les super vilains pour cible. Ça sert à rien que je lui donne le numéro de mon agent de probation pour qu'il lui parle de ma nouvelle vie. Ok. Vu qu'il a déjà tué Scorpion, ça m'étonnerait. Je change de position. Aïe. Salopard. Bien tenté, Spidey. Cette fois, on est prêt. Prêt à quoi? Et feu. Allez, ça dégage. Eh, la petite racaille là, hein? Avec les arbalètes à la confinée là, ça va, hein? J'arrive, Lonnie. Tombe pas. Oh non. Désolé, Lonnie. Je dois t'aider, vraiment. Tout va bien se passer. Oh, waouh. Tu dois pas kiffer. Tu dois vraiment pas kiffer les barres d'attraction en fait. Vous en faites pas, je suis là. Ça c'est stylé. Là, on aurait peut-être besoin de Miles Morales.
jamais. Arrête! Vite! Vas-y! Tenez-vous! C'était... Ouais. Il y a le symbiote, c'est que je suis Spider-Man. Ok, il faut qu'on parle. J'ai l'impression... Spider-Man... Je sais. Mais d'abord, c'est quoi ces choses qui sortent de toi? Je crois... que c'est mon traitement. Le docteur Connors dit que c'est... un genre d'exosquelette autodidacte. Mais j'ignorais que ça pouvait... Attends... Tu sais ce que ça implique, pas vrai? On a tous les deux des super-pouvoirs! Imagine tout ce qu'on va pouvoir faire pour guérir le monde! Oh. Désolé. Je... Il faut que je trouve comment ce truc fonctionne. Bon, c'est dommage qu'aucun de nous n'ait sous la main un laboratoire de pointe pour effectuer des tests. Je vais aller voir s'il y a quelqu'un. Tu m'y rejoins? Appelle-moi dès que c'est bon. Ok. Ouais. Je viens voir ce qui s'est passé à Tony. C'était quoi ça? Eh ben, Tu te souviens de mon ami Harry? C'était lui? Comment ça? Franchement, j'en sais rien. Sûrement à cause du traitement qu'il a. Oh! C'est Harry! Je te laisse! Salut! La voie est libre à la Fondation. Cool! Je dois filer! Filer? Ah, au sens littéral? Je sais pas, avec toi, on sait jamais. Ok. Alors, je comprends rien, les gars. Ah, le pont de Brooklyn. Pas mal. Ah, ça, je l'avais pris en photo. Hein. C'est sur mon Instagram, MrBboy45YT. Ah, évidemment. Le pont de Manhattan. Tu te rends compte que sa construction a commencé en 1920, achevé en 1909. Quand j'étais gamin, je me disais qu'il était vieux. Aujourd'hui, je suis fasciné par l'histoire de cette ville. Ok. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Voyons ce qui se passe dans la... C'est un délire de drone. J'ai des points de compétences. On va se les mettre, ne vous inquiétez pas. Mais là, on va faire quelques quêtes secondaires un petit peu pour varier les plaisirs tout de même. Hein. Ces turbines avant sont petites mais puissantes. Une fois déployées sur des courants en haute altitude, elles peuvent fournir une énergie propre potentiellement illimitée. À moyen terme, elles feront des allers-retours depuis une station. Mais aujourd'hui, on cherche la meilleure disposition possible pour un premier test. Mmh. Je pourrais les envoyer à la bonne hauteur avec mes Delta toiles. Ça s'appelle pas Brooklyn Heights pour rien. Appuyez pour voler. Ok. C'est parti. Très bien. Même mes Delta toiles vont pas assez loin. Il me faut un petit coup de pouce. Il y a toujours du vent à l'intersection de Corte et Montaigu. Par le nombre de feuilles que j'ai perdu en passant par là. Okay. Je vais m'en servir comme soufflerie naturelle. Arrêt au déploiement. Ok, c'est fait. Prends ton envol, petite turbine. Et bim. Superbe. Une autre. Oups, toi. Et voilà. Parfait. Déploiement réussi. Bon, j'ai pas tout bien compris. Fallait juste que je spam carré, pourquoi pas. Il faut que j'aille voir ça.
Ok. Bon, ouais, c'était pas... pas la meilleure quête. Les drones rapaces attaquent la turbine. Oh, c'est pas vrai, les gars, oh. Ça, c'est foutu. Voilà, et toi. Encore vous. On peut plus continuer à se voir comme ça, hein, vraiment. Arrête de te mêler de nos affaires. Ok. Voilà, frérot, c'est toi le problème. Je me mêle de vos affaires. Non. Ok. Y a un mec qui a l'air énervé. Allez. Oh, lui, je lui en mets plein. Lui, il prend pour tous les autres. Oh lolo, ça c'est stylé. Première fois qu'on l'a fait celle-là. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est bon, c'était le dernier. Bon. Plus qu'à remettre cette turbine en place. Allez, vole-toi. Voilà. Ça, c'est du beau travail. Très bien. Que le docteur Nguyen leur implémente un système de sécurité. Ok. Bougez pas. On va prendre un petit peu de hauteur histoire de voir. On a des petites quêtes sympas un peu à gauche, à droite. On monte de niveau, ça c'est plutôt cool. Alors, écoutez, on a pas mal de tenues en vrai très sympas qui peuvent se faire. J'aimerais bien changer. On va aller sur tenue incroyable 1, tenue incroyable 2. On va aller sur là. Oh ouais, elle les gars. La Amazing Spider-Man, je crois, celle-là, non? Il me semble. Et on va la mettre. Super. Miles Morales, qu'est-ce qu'on peut mettre de stylé aussi? En vrai, on peut mettre elle. J'aime bien. Allez, on va la mettre aussi. Maintenant, composant de tenue. Ça, c'est plutôt cool. Vous le savez, j'aime bien à chaque fois aller récupérer les meilleurs trucs. Ajoute une deuxième barre de concentration. Ben, bien sûr. Mais oui, c'est clair. Ok. En gadget, cette fois-ci, on a des points de compétence. Ça serait pas mal qu'on en trouve. On a notre lance-toile, on a notre attrape-toile, attirer des ennemis. Ok. Et on a violente décharge repoussante. Ça, c'est pas mal. C'est quoi ça? Tire une toile qui ricoche. Ça, c'est pas mal aussi, ça. Ok. Et on peut aussi, à l'intérieur, améliorer. Oh ah ouais, non, il nous faut des composants à gogo, là. Ok, c'est très bien, très bien. Frapper des ennemis paralysés, recharge vos capacités et augmente le nombre d'éclairs générés de 3 à 5. Soit, tout de même, les gars, deux fois plus. Je dis oui, je prends. Ensuite, pour les deux, faut quand même un peu améliorer. Maintenez près d'un ennemi dans les airs, ok. Lors d'un plongeon, appuyez sur R2 pour accélérer. Et réussir une parade contre un ennemi le repoussera. En vrai, on va prendre ça. Ça peut être pas mal. Et le Peter, on va pas faire de jaloux. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre, celui-là? Le dernier coup du speeder barrage libère une onde de choc. C'est pas mal, ça. Non, ça plutôt. Allez, on va sur la nouveauté, là. Ça, je me demande, continuer l'histoire. À mon avis, je veux pas spoiler, mais c'est quand on va être pris par le symbiote. Et il nous reste plus aucun point de compétence. Les amis, on est très très bien, on a fait un joli tour. C'est parti, on va... Je crois que c'est un spot photo. On voit là-bas, donc on va essayer de le faire. J'ai été contraint d'assister, impuissant, à une explosion de violence orchestrée par, vous l'avez deviné, Spider-Man. Cette brute vient de détruire Coney Island, l'un des lieux les plus emblématiques de la ville, au cours d'une nouvelle bagarre monstrueuse. Ce lieu de plaisir et de joie est maintenant profané et sali. Allez, ferme-la. Allez, on est parti. Let's go! Ok. Bougez pas, j'ai pas dit. Ils vont jamais de main morte, si tu me permets le jeu de mots. Mais quand ils voient une opportunité de s'amuser, ils la saisissent. Bon. Direction, vous l'aurez compris, 2400 mètres. Mais il y a de la quête principale à faire avant. Donc j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Qu'est-ce que je branle là? Ok. Pourquoi pas, pourquoi pas.
Les planques, est-ce qu'on peut les faire avec Pete Parker? Je pense, hein. Je pense. Je vois pas pourquoi on pourrait pas. On mélange à peu près tout. Là, il n'y a pas l'air d'avoir de crime. Donc on aura bien avancé et on aura pris quelque chose d'assez terrible. Et ça, ça m'embête énormément. J'ai hâte de voir la suite. Évidemment, ne spoilez pas en commentaire, hein, ça sera supprimé par mes modérateurs. Qui sont une équipe de deux. Ok, super. On va passer là-haut. Et c'est parti. Alors, yo yo yo. Ah. Ok. Allez, ça dégage, Peter. Le on reprend Miles. Une cache du rôdeur dans le coin. Eh, mais ça regardait pas Peter, les gars. C'est normal, je peux comprendre. Ok. Donc, je suppose qu'on va devoir descendre. C'est l'évidence même. Ok. Qu'est-ce que c'est ? La voilà. Waouh, c'est dur à maintenir ça, hein. Ok. Superbe, c'est tout. Oh non, oh non, oh non, il se roche. Maintenant la roue en place avec des toiles. D'accord. Aïe! C'est pas vrai. Attends. Allez. Tu pouvais pas me... Superbe. Oh, on a galéré. Moi, je pensais que justement, fallait mettre la toile là-dessus. Pour pas que ça se confirme. Mais bon, c'est récupéré, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Allez, je suis très content. Choqué, mais pas déçu. Je peux vous le dire. Ok. 300 XP et des pièces rares. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un crime. On m'appelle. C'est parti. Hey Miles, j'ai reçu une alerte de la cage de mon ancien appart. T'as vécu dans cet appart? À l'époque où j'ai commencé à être le rôdeur. Quand je travaillais pour Fisk. Fisk? Ouais, je sais. Je me souviens encore du jour où j'ai eu les clés. Je voulais vraiment impressionner mon grand frère. Une seconde. Ok, les gars, les criminels là. Ça dégage. Pas le temps pour ces conneries. Bon, c'est impressionnant, mais j'ai touché personne. Oh non, t'as tiré sur ton propre pote. Ça dérange quelqu'un si je détruis cet aéronef? Non. Désolé, on... Allez, ça dégage. L'appel du devoir. Voilà, alors, pas le temps pour vos conneries à la con là. Ouais, je sais. Je me souviens encore du jour où j'ai eu les clés. Je voulais vraiment impressionner mon grand frère. Mais il avait honte, parce qu'il savait comment je l'avais eu. Quoi que papa ait ressenti, je sais qu'au fond il t'a toujours aimé. C'est gentil de dire. Peut-être qu'un jour je le penserai aussi. Non, non, non. Ça, c'est les quêtes forums, c'est super long. Bon. Tellement de choses que j'ignore sur une... En vrai, de vrai, les amis. On a, je pense, très très bien avancé, vraiment. Je suis très satisfait. On va pouvoir presque se rediriger. Allez, on va pouvoir traverser. Oh non, il y a un crime, ça tombe à pic. On va le faire et on va s'arrêter. Nous allons parler de Coney Island. Tout d'abord, aux dernières nouvelles, malgré le nombre de blessés, il semblerait qu'aucun décès ne soit à déplorer. Ok. Ah, j'aurais pu le faire discret. Cool. Faites enfin vos cartons pour quitter la ville. C'est foutu la discrétion. Allez, ça dégage. Ok. Ça dégage.
Et ça... ça, ça dégage. Et ben voilà, les gars. Ah, c'est bon. Il y a encore un celui-ci. Et celui-ci aussi, les gars. Waouh. Très résistant. C'est pas possible. Mais... oh, waouh. Meurs, les bars. Voilà. On est où, là, les gars? Sérieusement? Allez, ça, ça dégage. Bon! Eh ben, j'en connais certains qui sont pas prêts de recevoir leur colis. Eh bien, écoutez, les amis, on va s'arrêter là, évidemment. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et, oh, waouh! Et je vous fais des gros bisous. Et on va s'arrêter sur cette sublime vue. Et on reprendra d'ailleurs sur cette sublime vue. Bisous tout le monde! Bye bye!